Well, this video is going to be in French, but there are subtitles in English right down below, so click on them if needed. Also, make sure to stay until the end for some study tips if you don't have any motivation. Bonjour mes chères cocottes et bienvenue à une nouvelle vidéo. C'est moi, Yasmina, votre local mom friend. Et aujourd'hui, je vais vous prendre avec moi pour un autre French study vlog parce que vous semblez vraiment les aimer. Aujourd'hui, je vais partir maintenant à la bibliothèque. J'ai environ quelques heures de temps pour étudier avant mon interview. J'ai un interview aujourd'hui pour un poste. Je vais vous en parler un peu plus tard. Mais maintenant, je vais faire du thé et puis partir à la bibliothèque. Allons-y! Je commence mes études en regardant mon email et en répondant si j'ai quelque chose à répondre. Et puis j'ai continué avec un essai. J'ai commencé cet essai numéro 2. J'ai 3 essais à faire pour ce cours et je pense pas que je vais avoir le temps de terminer ce cours, mais je voudrais le faire avant que mes autres leçons commencent cet automne. De toute façon, tout va plutôt bien avec le deuxième essai et je sais même pas si c'est essai en français. Essai, I don't know. J'ai eu le même problème dans mes vidéos précédentes, mais de toute façon, voilà. Baby, hate how it can trust me, someone told me. I'm just too consumed with my phone, help me. I can use a break, somebody give me peace of mind, cause every night I find myself. Je viens de rentrer chez moi, j'ai mon interview dans environ 5 minutes et je vais charger la batterie de ma caméra parce qu'elle est en train de mourir. Mais je vais me préparer pour l'interview, prendre de l'eau un peu, charger mon ordinateur, etc. Et wish me luck. C'est environ une demi-heure, donc on se voit dans une demi-heure. J'ai remarqué en éditant cette vidéo qu'il semble que j'ai été très productive pendant cette journée, mais ce n'est pas le cas et je voulais vraiment vous pointer cela. J'ai étudié que pendant quelques heures pendant cette journée, j'aurais pu étudier beaucoup plus, bosser beaucoup plus, oui quoi. J'ai écrit quelques pages, oui, pour mon essai, mais en même temps j'aurais pu terminer l'essai plutôt facile dans cette journée, mais je ne l'ai pas fait. J'ai étudié quelques heures, puis j'ai joué Zelda le reste de la journée. Vraiment, je suis... J'ai un problème avec ce jeu. Je veux dire, j'ai un problème parce que je peux pas arrêter à le jouer. De toute façon, j'espère que ça vous motive de regarder. Au moins, ça me motive. Et je semble, en regardant cette vidéo, je me semble... Enfin, ça me motive que je crois que je suis super productive, même si je suis pas. De toute façon, la réalité, c'est qu'on n'est pas super productive toutes les journées. Et c'est complètement normal. Et c'est complètement fine. Vous faites votre meilleur et ça devrait être suffisant. Je pars à l'université de nouveau pour aller manger le déjeuner avec mes amis. Et je suis déjà en retard, donc j'y vais. Je vais souvent à la bibliothèque simplement parce que je me sens plus motivée pour étudier quand j'y suis. Je suis moins sur mon portable parce qu'il y a d'autres personnes autour de moi et j'ai un sentiment qu'on me surveille. Donc j'ai aussi le sentiment que je dois bosser. Bien sûr, je suis pas
productive toujours, mais je suis en tout cas la plupart du temps plus productive à la bibliothèque que je suis chez moi. Mais en même temps, la bibliothèque elle est très froide pendant l'hiver, donc c'est pas trop sympa d'y être. Et comme j'ai dit, en plus c'est sympa de changer l'environnement où je suis. Là, je suis en train de continuer d'écrire l'essai que j'ai commencé hier et ça va plutôt bien. Essayez de deviner ma couleur préférée. J'ai fait un café. Je viens de rentrer, ou un café, c'est pas vraiment du café, si vous me connaissez, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que je bois pas du café parce que mon estomac ne can't handle it. Je vais jouer un peu de Zelda parce que je suis... j'ai un problème. Et puis je vais essayer peut-être d'étudier encore un peu plus. En fait, je voulais vous donner quelques tips sur comment être productive ou comment étudier si vous avez vraiment pas l'énergie de le faire. Parce que là, la course que je fais, je suis hyper intéressée du sujet, donc bien sûr ça va très vite. Mais dans beaucoup de cas, c'est pas comme ça. Ce qui me motive le plus, c'est les récompensements. Donc si vous choisissez quelque chose que vous faites pendant la journée, donnez-vous une récompense à la fin. Choisissez soit un temps, soit des pages, combien de pages vous devez lire ou combien de pages vous devez écrire. Et quand vous aurez fini et vous aurez atteint ce but, et ce but doit être réalistique, ça, c'est pas, vous ne devez pas écrire 50 pages dans une heure. Par exemple, pour moi, ça fonctionne extrêmement bien maintenant que je peux jouer Zelda parce que j'ai un problème, comme je vous ai dit, I'm hooked. Et du coup, ça me motive d'être productive et d'étudier puisque je sais que mon récompensement va être que je peux jouer du Zelda. Même si vous n'avez pas bossé durement, si vous avez été nulle productive cette journée, récompensez-vous quand même. D'une façon à autre, ça peut être le récompensement n'est pas aussi grand que si vous aurez vraiment terminé tout, mais vous devez vous récompenser pour que vous restiez motivé. Je vais partir à un événement d'études ou de... ouais bref. Donc on se voit dans quelques heures peut-être. J'ai pas étudié aujourd'hui de plus, mais c'est pas grave, je vais étudier un autre jour. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez, n'oubliez pas de laisser un petit like et un commentaire sur ce que vous avez trouvé, quelle pensée vous avez sur ce study vlog, en général ce concept. Est-ce que c'est un mot en français? Je sais pas, trilingual. De toute façon, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore for my quality content. Bilingual, wow. On se verra dans la prochaine vidéo. Si vous voulez me suivre sur Instagram, vous pouvez me trouver là-bas avec at Yahoo Stories. Et j'ai aussi un podcast en anglais, si ça vous intéresse, qui s'appelle At Mom Friend Hotline. Ouais, je devais sortir un épisode aujourd'hui, mais j'ai pas sorti. Je voudrais sortir. Je vais le faire. Bon, bref, merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Et on se verra le prochain lundi dans une nouvelle vidéo. A plus!